Ok, eh ben écoutez, je vous fais pas attendre, on va reprendre. Alors, je vous montre déjà l'image. Le pauvre, il me fait tellement pitié. Oh non. Hidoï. C'est horrible. Mais oui. Le pauvre Oichi, alors qu'il avait l'air d'être gentil, tu vois. Il va juste jouer et partager son art pour des gens, et bon. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on est parti. On le lit. Hoichi wa osoroshisa ni taete jitto damatte imashita. Donc Hoichi, notre pauvre Hoichi. Osoroshisa. On avait déjà vu l'adjectif osoroshii. On l'avait vu, je crois, dans le tout premier conte, hein, Yamata no Orochi, sur le dragon. Donc osoroshii, c'est terrifiant. Et là, osoroshisa, c'est le nom qui va avec cet adjectif. Donc la terreur, la peur, l'effroi, l'horreur même, ouais. Osoroshisa ni taete. Là, c'est le verbe endurer. Donc endurer, supporter, c'est le verbe taeru. Donc il a supporté, il a enduré cette terreur. Hein. Imaginez, vous êtes tout nu avec des sutras sur le corps et il y a un esprit qui aspire votre âme depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Et là, il vous cherche et vous ne devez pas faire de bruit. Donc oui, il a enduré cette terreur de se faire trouver. Jitto damatte imashita. Jitto, on l'a déjà vu, hein, c'est faire quelque chose, par exemple, jitto miru, c'est regarder fixement. Donc là, c'est sans bouger. Qu'est-ce qu'il a fait? Damatte iru, c'est le verbe damaru, se taire. Donc il est resté silencieux, en fait. Hein, comme ça, il est resté vraiment silencieux, en endurant sa peur, en supportant la peur. Ah, c'est horrible, hein. Moi, typiquement, ça, c'est le genre de cauchemar que je peux faire. J'espère que vous ferez pas de cauchemar après cette lecture. Mais très clairement, ça, c'est le genre de cauchemar que je serais capable de faire. Ah, c'est le fantôme qui parle, ok. C'est le fantôme qui parle. Ouf, faut que je fasse une voix de fantôme. Onore Hoichi, yakusoku o yabutte, sugata o kakushite otta na. Hmm? Kore wa. Bon, j'arrive pas à faire. J'arrive pas à faire une plus grosse voix que ça, désolé. Ça sort pas de mon coffre, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, Onore Hoichi. Donc, Onore, de base, ça veut dire soi-même. Soit soi-même, mais là, vraiment, c'est probablement aussi un petit peu pour le rabaisser. Onore Hoichi. Yakusoku o yabutte. Yakusoku, c'est une promesse. Hein. Il s'était fait une promesse au début d'en parler à personne et puis de revenir jouer, etc. pour eux. Yaburu, c'est briser quelque chose, c'est déchirer, mais là, c'est dans le sens, en français, on dirait briser une promesse. Casser une promesse, sinon. Donc, tu as brisé notre promesse, tu as cassé la promesse. Et sugata o kakushi ottana. Kakusu, c'est se cacher. Cacher, dissimuler. Sugata, c'est ta... Tu t'es caché, en fait. T'as caché ta silhouette, ta forme, ta silhouette. Donc, sugata o kakusu, c'est se cacher soi-même, hein, se rendre invisible. Donc, otta, ita, kakushi, donc tu t'es caché. Hmm? Donc, quoi? Hmm? Kore wa, ah, ça, c'est... Ashioto ga pitari to tomari. Sore kara Hoichi no hou e masugu ni chikazuite kimashita. Alors, ashioto, donc littéralement le bruit des pas, hein, donc le bruit des pas de notre fantôme, qui est un fantôme avec des pieds, avec des armures, là, avec son armure. Donc ashioto ga pitari to tomari. Pitari to tomaru, c'est s'arrêter vraiment soudainement. S'arrêter d'un coup. Donc pitari, c'est d'un coup, comme ça, soudainement.
ピタリと止まり。それから、方位置の方へ、まっすぐに近づいてきました。Donc, それから、et après ça, 方位置の方、en direction de 方位置, on l'avait déjà vu dans pas mal d'autres contes, et まっすぐ、tout droit, en ligne droite, まっすぐ、まっすぐに近づいてきました。Encore une fois, c'est le verbe 近づく, se rapprocher. Donc, les bruits de pas se sont arrêtés d'un coup et juste après ça, ils se sont rapprochés en ligne droite en direction de Hōichi. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit ? Donc, il parle sur une, deux, trois colonnes. Kore wa Hōichi no mimi dewa nai ka. Mimi ga futatsu. Chūnyū ite oru. Shikata ga nai.ここへ来た証拠にこの耳を持って帰ろう。Voilà, je suis passée sur une voix de gros sadique, je crois un peu. J'arrivais pas à faire la voix du fantôme samouraï. Je suis passée sur une voix de gros sadique. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire ? これは Hōichi の耳ではないか。Mais est-ce que ce ne serait pas les oreilles de Hōichi ?Mimi ga futatsu. Donc il y a deux oreilles. Futatsu, c'est le compteur des choses. Hein. Donc il y a deux oreilles. Chūnyū. C'est ça. Chūnyū iteoru. Iteoru. C'est flotter dans les airs. Avec les kanji, justement, les kanji sont beaucoup plus faciles à comprendre. Tu, c'est le tu de utu, l'espace, qui représente l'espace hein, dans lequel on flotte. Et le ni.C'est ça, non, le U, c'est le U de UKABU. C'est flotter. Tu ni uite iru, du coup, hein, être en train de flotter. Donc, tu ni uite oru. Être en train de flotter dans l'espace. Donc, il y a deux oreilles qui sont en train de flotter dans l'air, dans l'espace. Parce que, du coup, je vous rappelle, hein, toute la peau sur laquelle il y a marqué le sutra.Devient invisible aux yeux du fantôme. Mais comme vous l'aviez remarqué sur l'illustration d'avant, ces petites oreilles, il n'y avait pas de sutra dessus. Donc, le fantôme les voit flotter dans l'air comme ça. Shikata ga nai. J'ai pas le choix, du coup. Ben, je suis obligée de faire ça, quoi. Shikata ga nai, c'est une expression que les Japonais utilisent beaucoup dans le sens... Ben, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On ne peut rien y faire.Donc là, bah, j'ai pas le choix, hein, les deux petites oreilles qui flottent. Koko e kita shōko ni. Et shōko, c'est la preuve que je suis venue, en fait, hein. La preuve que je suis venue ici. Parce que du coup, je suppose que, enfin, vu ce qu'il raconte, je suppose que ce guerrier-là, en fait, c'est juste le servant, peut-être, de ses maîtres qui habitent ben, dans le cimetière. Et du coup, lui...Il est obligé de prouver, il est obligé de faire ses preuves comme quoi il est bien venu chercher Hōichi. Donc, pour preuve que je suis bien venu ici, この耳を持って帰ろう。Je vais prendre ses oreilles et rentrer avec. Donc, à votre avis, bah, qu'est-ce qui va se passer, hein? Shikata nai, il n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Tsumetai musha no te ga.突然、ホイチの耳を掴んだと思うと、ねじり取るように引きちぎりました。Alors, 冷たい武者の手、des mains, les mains froides du guerrier, が、突然、tout d'un coup, d'un seul coup, ホイチの耳を掴んだと思うと、掴むC'est se saisir, prendre, saisir quelque chose. Donc tout d'un coup, les mains froides du guerrier ont saisi, donc je pense plutôt comme ça, ont saisi les oreilles de Hōichi et nejiri toru yoni, comme si... Nejiri toru. Nejiru, c'est tordre et nejiri toru, du coup, je pense qu'il l'a pris en les...tordant, hein.
引きちぎりました。Il les a arrachés. Donc, ses mains froides se sont emparées de ses oreilles et comme s'il voulait les tordre et les prendre, il les a arrachés. Donc, je pense qu'il les a twistés et arrachés. C'est sympa. Hoichi wa hime yo age sou ni naru no ha o kuishibatte koraemashita. Alors, ici, on va avoir du vocabulaire en rapport avec la douleur, forcément. Le pauvre. Donc, himei. Himei, c'est un cri. Donc, himei o ageru, c'est pousser un cri, hein, sortir un cri. Himei o agesou ni. Ici, ça veut dire qu'il n'a pas crié, mais il voulait crier. Comme s'il allait crier, en fait. Il était sur le point de crier. Donc, Hoichi wa hime wo agesou ni naru no ha. Ha, ce sont les dents. Ha o kuishibaru. C'est vraiment serrer les dents vraiment comme ça. Parce que, je vous rappelle, hein, il ne devait pas parler. Il ne devait pas faire de bruit non plus. Donc, comme il n'a pas pu crier... Comme il allait crier, mais il l'a pas fait. À la place, il a serré les dents vraiment très très fort. Et koraeru, koraemashita, c'est encore une fois supporter, résister à ça. Donc, il a enduré ça en serrant les dents au lieu de pousser un cri quoi. Respect pour le pauvre Hoichi. Parce que c'est sûr que s'il avait poussé un cri, enfin s'il avait fait du bruit, ça aurait peut-être été pire. Soste, itami ni taenagara. Itami, c'est la douleur. Ça vient de itai, hein. Itami, on reconnaît la racine. Itami ni taenagara, c'est le même taeru que tout à l'heure, endurer, supporter. Donc tout en endurant la douleur, tozakaru yoroi no oto kiite imashita. Donc, tout en endurant la douleur, il écoutait le bruit de l'armure qui s'éloignait. C'est le même tozakaru que tout à l'heure. Yagate. Au bout d'un moment, hein, finalement. Kaette kita Osho-san wa mimi o ushinatta Hoichi ni imashita. Donc, le grand prêtre qui est, au bout d'un moment, rentré au temple... Il a dit à Hoichi qui avait perdu ses oreilles. Donc ici on a le verbe ushinau, perdre. Mimi o ushinata, perdre ses oreilles, avoir perdu ses oreilles. Voilà, donc je vous remets la petite image maintenant qu'on a lu ça. À votre avis, qu'est-ce qu'il lui a dit le prêtre? Donc voilà la petite illustration de fin avec notre pauvre Hoichi sans oreilles. Cette fois, puisque ses oreilles sont là. Alors, on est parti. Pour la fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'il lui a dit le grand prêtre? Hoichi, mimi ni kyomo kaku no wasureta. Washi ga warukatta. J'arrive pas à ne pas le dire en rigolant, c'est horrible. Je la refais un peu plus sérieuse, j'essaye. Hoichi, mimi ni kyomo kaku no wasureta washi ga warukatta. Daga, kore de mou nido to bōrei wa arawarenu zo. Mais oui, c'est ça. L'explication, elle n'est pas plus compliquée que ça. C'est juste qu'il a oublié les oreilles. Je pense que vous avez reconnu ici wasureta, hein, c'est le verbe wasureru, wasuremas, oublier. Wasureta, j'ai oublié. Donc, mimi ni kyomo kaku no wasureta. Donc, j'ai oublié de te dessiner des sutras sur les oreilles. C'est juste ça en fait.
Ben oui, écoutez, je pense qu'il était... voilà, il pensait à plein de choses. Il a probablement une charge mentale qui est grosse comme ça. Non, il a oublié les oreilles, Écoutez, hein, je sais pas si on aurait fait mieux, nous. Parce que c'est facile de juger quand on est extérieur à la situation. Mais quand t'es dedans, que t'as le stress que ton employé, il se fasse bouffer par des fantômes, déjà qu'il est possédé, et qu'en plus de ça, t'as une famille qui t'attend pour aller célébrer le truc du défunt, là. Voilà, on peut pas penser à tout, hein. Donc effectivement, là, ce qu'il lui dit, c'est... donc. Voici, c'est une manière de dire je, qui est plutôt à l'ancienne. Hein. Donc là, il a qualifié en fait moi. Donc moi, j'ai oublié en fait de te dessiner des sutras sur les oreilles. Warukata, c'est une manière de s'excuser. Ça vient de l'adjectif warui, donc mauvais, pas bon quoi. Warukata, donc j'ai été mauvais, mais en fait, ça se traduit plutôt par je suis désolé, je suis navré. Donc je suis désolée d'avoir oublié tes oreilles, mais comme ça, hein, au moins de cette manière-là, kore de, donc comme ça, mo nido to, donc pas deux fois, hein, ça se reproduira plus, borei wa araware nu, donc araware nai, hein, encore une fois, ne plus se montrer, donc les fantômes, les spectres ne se montreront plus à nouveau. Ils reviendront plus nous embêter. Et le zo, c'est un petit peu pour insister dessus. Donc voilà ce qu'il lui dit. Et la conclusion de cette histoire, c'est Osho-san wa Hoichi o teatsuku kanbyoshi. Donc teatsui, là ici c'est un adverbe, hein. Teatsui ça veut dire être quelqu'un qui est hospitalier, qui s'occupe bien des gens, quoi, qui est hospitalier, accueillant. Donc, te atsuku, donc de manière hospitalière, c'est un peu bizarre, mais il s'est bien occupé de lui, en fait. Hein. Kanbyo aussi. Kanbyo, c'est veiller sur un malade, veiller sur quelqu'un qui est pas bien. Donc, il a veillé sur lui, je pense, le temps qu'il se rétablisse, hein, le temps qu'il cicatrise. Donc, il s'est bien occupé de lui. Et Boichi no kizu, kizu, ce sont les blessures. Wa yoku narimashita. Yoku narimashita. Donc ces blessures, ça s'est bien remis en fait. Hein. Mm. Sono nochi. Ça veut dire la même chose que sono ato, après ça. Sono ato, sono nochi. Kono fushigi na hanashi wa hiroku shirareru you ni nari. Donc cette étrange histoire. Fushigi, on l'avait vu dans Fushigi no Kuni no Arisu, Alice au pays des merveilles. Fushigi, c'est quelque chose d'étrange, mystérieux, incroyable. Kono Fushigi na Hanashi, donc cette histoire incroyable, hein, que Hoichi a vécue. Wa hiroku shirareru you ni nari. Elle s'est, en fait, elle s'est répandue, hein, elle est devenue connue, largement, donc hiroku, hiroi, hein, vastement, largement. Shirareru, c'est le verbe shiru, au passif. Donc, elle est devenue, elle s'est répandue, cette histoire, et Hoichi no kataru heike monogatari o kikini. Donc, vous vous rappelez, hein, c'était l'histoire qu'il racontait. Donc, l'histoire que Hoichi racontait, donc l'histoire des heike. Donc pour venir écouter l'histoire des Heike, Ose no hito ga tera o otozureru you ni natta to iu koto desu. Eh bien, on dit que énormément de gens, hein, Ose no hito, plein de gens, plein de monde, sont venus visiter le temple pour écouter l'histoire des Heike racontée par Hoichi. Voilà, donc même sans oreille, eh bien, en vérité, il a continué à jouer du biwa et à raconter sa légende des Heike, son histoire. Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on lui a coupé, on va dire, son cartilage, quoi, ce qui dépassait de ses oreilles, qu'il a perdu l'ouïe. Non, en fait, il a continué à vivre sa vie, mais juste, bah, il avait vraiment la boule à zéro, quoi, pour le coup. Il n'y avait plus rien qui dépassait.
Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Probablement qu'elle vous marquera un bout de temps. Vous en souviendrez un bout de temps, mais tant mieux. C'est une histoire qui est plus ou moins connue. C'est vrai qu'elle est plutôt en lien avec le bouddhisme. Donc, moi, au tout départ, je la connaissais parce que Greg me l'avait racontée, vu que Greg s'intéresse beaucoup au bouddhisme. Mais voilà, je la trouvais rigolote. Et puis, franchement, quand je l'ai vue dans ce bouquin... on avait choisi ensemble hein, sur Twitch voilà l'histoire qu'on allait lire, donc je trouvais ça sympa. Voilà, après en termes de vocabulaire, de grammaire, ben il y a vraiment de tout. Il y a des choses pour débutants, des choses intermédiaires et des choses plutôt avancées, donc j'espère que vous avez pu piocher dedans et prendre ce qui vous plaisait, ce qui vous convenait à votre niveau. Pour ce qui est des replays, des histoires, etc., tout ça, donc, ce sera sur YouTube. Il y en a déjà pas mal qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Hein, peut-être que vous n'avez pas encore tout vu. Donc, vous pouvez aller fouiller sur la chaîne YouTube. Et puis sinon, bah, on se retrouve tous les jeudis à 20h. Donc, soit pour faire des proverbes, soit pour faire des contes. Voilà, ça dépend un petit peu des semaines et du programme. À bientôt ! Matane ! Bye bye !